Chers amis, l'état de santé de notre ami Jean-Luc Schmerber l'a empêché de réaliser la vidéo mensuelle début octobre, puis l'a contraint, à son grand regret, à démissionner de son poste de gouverneur, raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, en commençant par vous rassurer sur la santé de Jean-Luc. Son repos forcé lui fait du bien. Le mois de novembre sera riche en événements, et je vous sais tous mobilisés pour mettre en avant, dans vos clubs et dans votre environnement, deux actions récurrentes qui illustrent l'engagement du Rotary dans la cité. Le premier événement sera la soirée Espoir en tête, action nationale qui permet chaque année de collecter près d'1 million d'euros au profit de la recherche sur les maladies du cerveau. Dans notre district, nous aurons la chance exceptionnelle de disposer à Paris de la salle du Grand Rex le 29 novembre, ce qui devrait particulièrement intéresser les clubs parisiens, encore un peu en retrait actuellement au niveau des commandes de contre-marques. Amis parisiens, je vous y donne rendez-vous. Cette année, le film « Simone, le voyage du siècle », un biopic d'Olivier Dahan sur la vie de Simone Veil, s'annonce passionnant. Alors encore un effort, et nous dépasserons les meilleures statistiques des dernières années. L'autre action, traditionnellement programmée en novembre, c'est la participation à la collecte annuelle de la Banque alimentaire pendant le dernier week-end de ce mois. Elle mobilise toujours de très nombreux Rotariens, Rotaractiens et leurs amis, qui trouvent dans cette action, au-delà de son caractère altruiste, un moment de convivialité renforçant la cohésion au sein du club. Une recommandation. Cela va sans dire, mais encore mieux en le disant, soyez visible en tant que Rotarien, avec vos dossards, vos gilets et les casquettes ornées de la roue rotarienne. Ces deux actions sont programmées à quelques jours d'intervalle seulement, mais notre enthousiasme gommera les fatigues éventuelles. Auparavant, nous aurons tenu la deuxième réunion des présidents, le 9 novembre, couplée avec l'Assemblée générale du district. Ce sera l'occasion d'échanger avec les présidents, de les écouter, de les remercier pour leur engagement. Et le lendemain, je serai, et vous serez sans doute nombreux à mes côtés, à Massy, pour la remise de charte du nouveau Rotary Club de Massy. Moment de bonheur pour tous les nouveaux membres de ce club, leurs amis et le gouverneur du district. Croyez-moi, il n'existe pas de circonstances plus heureuses pour un gouverneur. Je compléterai ce message en rappelant que le mois de novembre est celui de la Fondation Rotary. Le soutien à la Fondation, c'est le soutien aux actions s'inscrivant dans les 7 grands axes que vous connaissez tous. La possibilité de recevoir des subventions pour les mener, sans oublier bien sûr Polio Plus, notre action emblématique. Tout nouvellement créé, le Cercle Polio Plus rassemble des Rotariens s'engageant à donner 100 euros par an jusqu'à l'éradication de la maladie. Ce cercle s'agrandit tous les jours. Allez vous renseigner sur cerclepolioplus.org. Enfin, comment ne pas évoquer la conférence de district du 11 décembre? Les inscriptions sont désormais ouvertes. Venez nombreux, très nombreux, à cette conférence du centenaire, si chère à Jean-Luc Schmerber. Votre participation massive le ravira. Et son programme vous ravira. Je vous dis à tous, à très bientôt.